je t'entends nickel. Monsieur Barbella, bonjour. Des événements structurants du Front National de l'époque, il ne reste aujourd'hui que ce 1er mai, on voit que Marine Le Pen n'y participe pas. C'est une volonté de se détacher encore des grands symboles du parti. Bon, je ne pense pas que Jeanne d'Arc se limite au Rassemblement National. Nous avons, comme chaque année, voulu rendre hommage à la femme la plus connue de l'histoire de France, qui est en ces périodes de France fracturée, divisée, un symbole d'unité pour la nation, le symbole d'une héroïne, d'une chef de guerre qui a libéré la France et qui a su, même en 429 devant Paris, connaître la défaite, remonter à cheval et puis connaître la victoire et l'épopée nationale quelques années plus tard. Donc c'est un beau symbole. On voit bien la comparaison que vous faites, la métaphore, et pourtant Marine Le Pen n'est pas là aujourd'hui. Non, elle n'est pas là. Ça ne vous aura pas échappé qu'elle sort d'une campagne présidentielle qui a été éprouvante et qui l'a menée à rassembler près de 13 millions de voix. Donc elle se prépare dès maintenant à cette bataille des élections législatives. Et je suis venu dire aux Français que le scrutin n'est pas terminé, qu'il y a un troisième tour. Ce troisième tour, ce sont les élections législatives. Et qu'il serait invraisemblable aujourd'hui de laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc moi, j'appelle les Français à la responsabilité. Je les appelle surtout à aller voter. Parce qu'en vérité, le projet de saccage social qu'a porté Emmanuel Macron n'est pas une fatalité. On peut encore éviter la retraite à 65 ans, on peut encore conjurer l'explosion des taxes sur les carburants, sur l'énergie, on peut encore décider de reprendre le contrôle en matière d'immigration, mais pour cela, il faut aller voter, il faut faire entrer un maximum de députés patriotes à l'Assemblée nationale. Nous sommes aujourd'hui la première force d'opposition, et 13 millions de voix, c'est un socle solide, je crois, pour envisager l'avenir, donc tout commence. Sur les législatives, justement, on entend toujours ces appels à l'union pour ne pas présenter de candidats face à certains candidats LR, face à certains candidats de Reconquête. Est-ce que vous allez accéder à ces requêtes? Il y aura des candidats du Rassemblement National dans toutes les circonscriptions. C'est le moindre respect que nous devons à nos électeurs qui nous ont placés au second tour l'élection présidentielle. Mais il y aura des gens qui seront soutenus par le Rassemblement National et qui ont pu être par le passé aux Républicains, et même certains qui ont pu s'approcher de Reconquête et qui s'en sont éloignés. Mais je pense que ces histoires d'appareils intéressent peu les Français. Moi, je veux parler aux électeurs. Et je veux dire qu'aux électeurs de LR, les patriotes sincères de LR ou de Reconquête, que nous avons réuni 13 millions de voix et qu'il faut nous donner de la force aujourd'hui, qu'on partage l'essentiel. Et donc, le rassemblement doit avoir lieu derrière les candidats. On est arrivé en vérité devant Éric Zemmour dans 96% des circonscriptions. Donc, les Français nous ont conféré ce rôle aujourd'hui, en tout cas à Marine, d'être la leader de l'opposition, la chef de l'opposition. Mais il peut y avoir d'ailleurs au second tour, dans l'intérêt du camp national, le soutien à des candidats patriotes les mieux placés si les candidats du RN ne devraient pas être au second tour. Mais je vous rappelle que nous sommes arrivés en tout cas en tête dans près de 180 circonscriptions au second tour et que nous dépassons les 40% dans 339 circonscriptions. Donc c'est un socle puissant, important. Et je pense qu'en vérité, il est important que Emmanuel Macron ne soit pas seul pendant 5 ans à l'Assemblée nationale et qu'il y ait des députés d'opposition qui puissent défendre la France et protéger les Français de la politique très dure que va conduire Emmanuel Macron. Est-ce que aussi de préparer aussi 2027 à travers ces législatives? Et on prépare toujours l'échéance suivante. J'ai l'occasion de rappeler que si on prenait 10 millions de voix tous les 5 ans, comme c'est le cas, a priori la prochaine fois sera la bonne. On a fait un travail important pour aller rassurer, pour convaincre les Français, pour élargir aussi le socle du Rassemblement National. Donc tout ça est un socle prometteur, je crois, pour la suite et pour l'avenir. Monsieur Bardella, pour les Français de l'étranger qui vont aussi voter, aujourd'hui dans l'actualité internationale, bien sûr, c'est l'Ukraine et la Russie, mais il y a aussi un peuple qui a été complètement oublié, qui s'est laissé massacrer, personne n'a bougé le petit doigt, ce sont les Arméniens et au Karabakh. Quelle est votre position à ce sujet ? Je note qu'il y a des conflits qui parfois intéressent un peu moins l'opinion et je le déplore. Nous avons beaucoup parlé du Haut-Karabakh, que nous avons défendu au Parlement européen et nous allons continuer à le faire. On va s'arrêter là. Merci. Merci à vous.
Voilà, c'est non pas du côté de du Rivoli, de la rue de Rivoli, où habituellement la cérémonie a eu lieu, de la remise de fleurs devant la statue de Jeanne d'Arc, mais à la dernière minute, on a appris, la presse a appris que c'était du côté de l'église Saint-Augustin. Vous l'avez vu, Marine Le Pen n'était pas présente, remplacée par Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement National. Voilà, les législatives arrivent, c'est le nouveau combat politique de tous les opposants à Emmanuel Macron, tous les groupes parlementaires, que ce soit de la France insoumise au Parti socialiste, du moins ce qu'il en reste, les Républicains et le Rassemblement national, sans parler des écologistes et des candidats indépendants. Ici, Paris, Léo Nicolian.